Coucou YouTube, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, en tout cas, ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Let's Play épisode 23. Et vous voyez que, comme d'habitude, c'est la merde. Je suis pris pour cible par un avion alors que je suis dans une tour de guet. Nick est en mauvaise posture. Donc, on s'était quitté la dernière fois. Tiens, il y a un pont de talon là, je crois. On s'était quitté la dernière fois. Je vais me rentrer. Donc on avait libéré le Marshal. On avait fait la quête de l'autre débile de Zip et on avait fait un petit peu d'explo. Je vous avais dit lors de cet épisode qu'on attaquerait les deux avant-postes là. Clutch Nixon, je le ferai de mon côté. D'ailleurs, j'en ai fait une de mon côté, ce qui m'a permis de débloquer un buggy. Donc nous allons faire les deux avant-postes. Et on va voir où on en sera après avoir fait ça. On va essayer de faire un épisode un peu moins long. C'est vrai que les derniers ont été un petit peu plus longs. Donc on va essayer de faire un peu plus court pour celui-ci. Je pense qu'on va tenter un truc de fou là. Je suis pas sûr que ça fonctionne des masses. Mais écoutez, je vais essayer de trouver quand même une paroi un petit peu plus abrupte. Là, en sautant de là, on devrait être pas mal. Vous voyez que l'avant-poste est là-bas. Écoutez, on l'attente. On va essayer de le faire en wingsuit avec l'avion qui se balade. Je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle, mais bon. Écoutez, on va essayer de démarrer sur les chapeaux de roue de façon assez spectaculaire. On va peut-être pas arriver dans l'avant-poste non plus. Un peu dommage. Non, monsieur, c'est pas vrai. Laissez-moi tranquille. Ok, donc ça, on a réussi déjà. Faut pas que l'avion me chope, parce que là, sinon, ça va être un peu compromis pour la discrétion concernant l'avant-poste. Il est assez balèze en plus, d'après mes souvenirs, celui-ci. Il devrait y avoir pas mal de monde. Sur une mitrailleuse toi ou... On a déjà failli se faire voir. Ça pourrait peut-être être intéressant de se mettre sur le château d'eau qui est là-bas. Et ok, non, tu m'as pas vu. Je crois que c'est l'avion. Et ça, c'est le mauvais bail. Ça, c'est un très très mauvais bail. Mais non. Aïe. Monte là-haut. Je crois que dans l'avant-poste, ils m'ont pas vu. Hein. L'avion m'a grillé. Mais je crois que au niveau de l'avant-poste, c'est pas le cas. Il y a un snipe ici. Il y a quand même pas mal de monde. Même pas mal de monde, il y a des patrouilles. Rien que le snipe, je suis pas sûr que ce sera très discret. Écoutez, on va la tenter. Hein. Bah, tu dégages. On va shooter l'alarme là-bas. Enfin, on fera toujours une de moins. Tu dégages. Faut à tout prix que j'essaie de choper l'autre. Attends, tes trucs de fou. De là, est-ce que j'ai un visu? Non. Pas sûr que la façon dont je procède là soit vraiment la bonne. Écoutez, on va essayer de désactiver l'alarme. Un mec là. C'est bon, on n'est pas grillé pour l'instant. Oh, où elle est la deuxième?
a pété celle-là. Il reste. Celle-ci. On va essayer de se précipiter. Ok, les alarmes, c'est bon. Oh, je l'avais pas vu, lui. Et pour l'instant, on s'en sort bien. C'est bien d'avoir lui, il est un peu isolé. Ok. Ils m'ont pas vu. Alors vise. Ok. Ça dégage. Il doit en rester qu'un normalement. Coup de perle. Ok, il en reste encore. Après, il se peut que ce soit un taré là. Un drogué, non. Je veux garder mon flingue, je veux juste le piller. Ah non, j'entends un mec qui parle. Hein. Il est là. Vas-y, viens. Il veut pas, salaud. Oh, ce qu'on lui a mis. Gauche-droite. Je sais pas si on va avoir le bonus de discrétion parce que du coup il nous a cramé avant la fin, lui. On aura les 400$, c'est sûr. Et le bonus, je sais pas. Et virez-moi toute cette merde. On n'aura que les 400$. Si vous êtes près de la serre des Jessop, j'ai un problème que vous pourriez résoudre. J'y suis. Vous avez entendu parler d'un certain Finet? C'était un pharmacien, mais aujourd'hui il aide la secte à fabriquer sa grâce. Alors, voilà ce que je me disais. Si vous brûlez ces champs de fleurs, vous attirerez son attention. Et quand il viendra à vous, eh bien, j'ai vu votre offre. Vous savez vous débrouiller. Finet a meurtri beaucoup de familles, officiers. On ne peut pas le laisser continuer impunément. Alors, d'après mes souvenirs, cette quête est très très chaude. D'après ce qu'on dit, Rachel Jessop aurait donné sa serre à la secte il y a déjà un moment. Elle a pas dû se méfier des Dunsgate, j'imagine. Ah mais non, c'est pas celle-là. Il paraît que c'est okay, là que je brûle ça. Bonjour monsieur. Attendre que l'autre ait fini de parler. Ok. On a des pots à vendre. Je crois que j'avais débloqué un lance-flamme. Il me semble, oui. On va le mettre à la place ouais, du snipe pour le moment. Des skins sympas. Et on est parti pour brûler tout ça. Absolument. On va brûler par là aussi. Officier, vous avez l'air d'avoir des ennuis. Bah ouais. Attention. Et n'oubliez pas, vous devez brûler les champs de grâce. Ouais, mais... Il y a l'arrosage automatique, mec. Ça va prendre quand même. Non. Donc on coupe l'arrosage automatique. Ça doit être dans le cabanon, je suppose. Exact. Ah, mais du coup, les autres arrivent. Ta gueule, Grey, c'est pas le moment. Autre chose à foutre pour l'instant. Dégage de là. Bon, on a pris tarif là.
On a pris tarif. Personne, je crois, pour l'instant. Ok. Première vague, on a pris un peu tarif. J'étais un petit peu surpris qu'ils arrivent des gens, en fait. Tout à fait. La dernière serre est là-bas, donc il doit y avoir encore le cabanon. C'est grâce à toi si les gens sont en sécurité. Les gueules. J'ai pas le temps. Midi kit des familles. Ah, l'eau t'a pas brûlé, hein. L'eau t'a pas brûlé. Arriver à la chaîne comme ça, les gars, allez-y, c'est un plaisir. Ah, il reste un bout ici en fait. Ok. C'est bon là, peut-être, non? Allô? C'est bon? Officier, je vous cherche. C'est votre chance, ne la laissez pas passer. Et qui se ramène, hein? Je l'attends, je vais reprendre le sniper. Bon, le lance-flamme, je suis pas fan, hein. Clairement. On va reprendre le snipe. Pour de l'accueillir comme il se doit. On sait accueillir les gens chez nous, c'est le Montana ici. On vient d'arriver. Qu'est-ce qui se passe en bas? Merci. Il est où ce con? Il y a l'avion qui va me faire chier encore là. Ah non, c'est un hélico, ok. Il y a un hélico quand même ou... Non. Je sais pas si du coup... ouais, je veux bien, mais mec, il n'y a pas d'hélico. Ça marche. Là, il se barre. À moins que... Je vais peut-être arrêter là. Peut-être arrêter. Apparemment, il s'est arrêté. Non, il est toujours en l'air, je crois. Ah oui, il s'est barré. Là. Il me faut un hélico, en fait, clairement. On va retourner là-bas. Roquette qui m'a pété au cul. On va retourner là-bas. Apparemment, apparemment la mission n'est pas échouée. Il se peut qu'on puisse l'éclater plus loin ou plus tard. Regardez si Shellexon a mis. La mission évoque un endroit, non. Au purifier, non. Dans les missions annexes, aussi dole, non. Non, pas ça non plus. Écoutez, je sais pas où se trouve la mission, on va dire. Sur radar, on s'en fout. On s'en fout, ça c'est juste les avant-centres, ok. Bah écoutez, hein. Écoutez. Ah bah si, chassez-en la secte et brûlez toutes les plantes de grâce, cela fera sortir Finé, le chimiste de son trou. Ensuite, vous pourrez vous occuper de lui. On va sélectionner la quête. Ah, apparemment, il est parti par là-bas. Écoutez, on va essayer de le finir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'hélico dans le coin, et ça, c'est relou. Donc il va falloir tout traverser en bagnole. On va passer à côté de l'avant-poste. Après, à la limite, ça va permettre de potentiellement de découvrir les lieux qu'il y a dans le secteur. À la limite, ça peut être pas mal.
Par contre, il y a une route, les mecs, ou je pars à l'arrache. Ouais, on peut passer par là. Je vais prendre un pick-up plutôt. Bon, la tenue de route de la camionnette est un petit peu moyenne, faut dire ce qui est. Alors, la radio, ça dégage. Mais t'es sérieux, toi, avec ton camion? Ok, on est parti. Bon, faut juste qu'on veille à pas se faire bombarder. Fatality. Depuis que j'en parle, putain, ce vol plané. Il suffit que j'en parle. Putain, Nick, fais ton job. Donc quoi, je l'ai senti arriver, hein, gros comme une maison. On essaie de shooter l'avion avant de partir. Évidemment, il va pas être là, ce con. Le pick-up est plus là, forcément. Bonjour. Ça dégage. Toujours rêvé de chasser à la calache. La radio, toujours pas. Écoutez, deuxième essai. Oh non, mais non, mais les gars, mais lâchez-moi. Un civil. Pour l'instant, en même temps, on n'est pas repéré par l'avion. Pourvu que ça dure. Là, par contre, je passe par où? Sélectionner la quête permettra d'avoir le trajet. Bonjour, bonjour. Je dégage. L'autre, on l'a complètement brain. Là, ce sera l'avant-poste à faire. C'est peut-être de prendre Boomer pour le faire, ça fait longtemps. La carcajou. Enfin, c'est une illusion de carcajou, je sais pas ce que c'est devenu, mais merde. Un hélico maintenant, toujours plus. Salut, dégage. Il y a combien là? 120 mètres. Ça dégage. Ah oui, mais en fait non, il est genre là quoi. Ok. De péter ça au passage. On va y aller complètement à l'arrache. Hein. Voilà pour faire des détails. Il s'est pété tout seul, c'est con. En fait, j'ai tiré dans son bras au moment où il lançait la grenade. Fait dans le style. Un autre là qui est. Dégage. Pas sûr que ce soit réellement là. Hein. Ah, si, pourtant. 20 mètres. Il est où? Il est en contrebas. Dans une grotte. Ça doit être ça. Il doit y avoir un espèce de bunker. Voilà. C'est pas dans le cabanon. Peut-être dans la maison. Et c'est loin, pas spécialement. Pas l'air d'être dans la maison plus que ça. On chope, on pourra le mettre dans la voiture. Ah, t'es parti par où, mec? Ah! Je pense qu'on a trouvé. Tu crois pouvoir nous arrêter? Absolument. Fais pas le poids contre Eden's Gate. Ah bon? Coup de perle! Wow, vous l'avez bien vu. Plus de Finet, plus 10
laboratoire de drogue. On va se débarrasser de leur grâce. Et c'est pas rien. Je suis fier de vous, officier. Merci, shérif. Je sais que mon fils le serait tout autant. C'est possible, shérif. En quelque sorte, je suis un peu votre fils spirituel maintenant, non ? Les techniciens ont l'air très excités par une nouvelle variété. J'irai bientôt au conservatoire pour confirmer leur impression. Ce sera peut-être enfin celle qui portera mon nom. J'imagine qu'il faudra fêter ça en privé. Je doute de pouvoir faire paraître un article dans une publication scientifique de renom. J'ai aussi envie de célébrer notre pari gagné. Je vais trouver du bon whisky, garder le lit bien chaud, piné. Avantages ajoutés à votre inventaire. Quels avantages ? Être un peu plus précis les gars, ou bon, apparemment il n'y a rien d'autre à récupérer en tout cas. Donc fini, c'est fait. Ta gueule toi. Ah aïe, dégage, culé. Du coup on va aller faire l'avant-poste. On va aller faire l'avant-poste. Je pense qu'il faudra qu'on retourne quand même à la serre. Il se peut qu'on ait des missions du coup qu'on n'ait pas récupéré. Vu qu'on a enchaîné directement sur le truc de Finé. On y va, on est où le copter ? Bon, j'ai envie d'y aller en voiture. C'est pas loin. Il est là. Bonjour. Ça dégage. L'autre avec sa polo, il s'est éclaté. Je crois qu'il est tombé carrément en contrebas, ce con. Ah, bonheur. Il n'est pas roulé bourré. Ah bah, il est là. Le jeu est carrément improbable. Ok. On va plier les mecs quand même, si on peut récupérer 2-3 dollars. Non. Il est où ? Encore l'avion, ça. C'est une certitude. Du coup, j'hésite à prendre la bagnole, quoi. Les gueules, la radio. Ça change pas, par contre. Bonjour. Toi, je vais t'éviter. C'est un civil. Qu'est-ce ? C'est un ours. Il va aller buter le civil. Ou pas. Dégage ! Ouais ! Bon, celui-là, on ne l'aura pas, hein, par contre. Il est tombé loin. C'est qui ? Je vais mitrailler ces pêcheurs. Ah ! Plus visuel. Il est où ? Mais il est là. Mais les gars, vous étiez pas là il y a 20 secondes. Là, faut qu'on soigne parce que l'avion va revenir. Ça fume un peu, hein. Ça fume un peu. Normalement, il y a moyen de le réparer. Ah, mais il y a l'autre qui fait chier, je crois. Chez le frein. Non, pas vraiment. Ah, c'est parce que lui, il fait chier. Bon, tant pis. On va pas coucher là, on a autre chose à foutre. Peut-être que Nick va faire son job. Bah, lui, m'en bat, là. On va les laisser chiffonner tout seul. Bonjour. Putain de loup de merde. Ouais. Bah comme quoi, hein, un civil à la con. Vous tapez une alu, et puis bah finalement c'est un loup. Pour toi. On va avoir des otages. On a buté.
Normalement il en reste un, mais il est en train de descendre. Écoutez, on arrivera peut-être à le choper en bas. La zone est violente, hein. Alors on va aller libérer l'otage. Avant que ça tourne au drame pour lui. Bon, on en aura sauvé un sur deux. Merci de m'avoir aidé. Pas de quoi, mec. J'ai entendu des membres de la secte dire que Face retenait un marshal dans la grâce. Ça y est, on l'a libéré. Mais juste ça me dire. Putain, et lui, il a eu chaud, hein, mine de rien. Lui, il a eu chaud. Il a bien failli finir noyé. On va peut-être pas arriver à plat comme ça, là. Ah bah c'est le mec qu'on vient de libérer. Bah, va te buter maintenant. J'ai envie que t'arrives dans mon dos plus tard. Ça dégage. Je sais qu'il y a une bête dans la cage, mais bon. On risque rien. En théorie. Je vais peut-être prendre un petit peu de hauteur. Si je peux. On va appeler Boomer aussi. Allez, viens mon boubou. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Alors, on a une alarme ici. On a un mec là. Un snipe là-haut. Apparemment, devant, il n'y a personne d'autre. La deuxième alarme est sur le toit. Ça, c'est une bonne chose, par contre. Par contre, le snipe là, il peut nous cramer. Hein. Alors, s'il n'y a que lui. Ah, il y a trois alarmes. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on shoote le snipe. Hein. On ne va pas avoir le choix. Et lui seul, il peut faire partir le truc en drame. C'est Boubou, j'ai eu peur. Arrête-toi. Ça dégage. Ça dégage. Ta gueule, fils. C'est pas le moment. Tu la fermes. Qui... Laisse-moi. Allez Boubou, attaque. J'espère que ça n'a pas excité les autres en bas par contre. Ça n'a pas l'air. Vraiment qu'on termine vite cette région, qu'on se tire. Là j'en peux plus. Oh, t'as l'air tout seul toi. Hein. T'as l'air tout seul. Ok, il reste une alarme. Il semble. Oui, elle est là-bas. Elle est là, le boîtier est là. Ouais, si j'arrive à te faire péter, mon pauvre. Ah. Rechargement, mauvais moment. Ça pète. L'alarme a été pétée en même temps, je crois, non? Non, il me semble pas, non. C'est ça. Ah, j'ai pas de visu dessus. Y'a l'autre qui arrive en embuscade, là. Ouf le boubou. Faut que je m'occupe de l'alarme, absolument. Ouf. C'était moins une, hein. Bombardement. Peut-être un mortier. Attaque Boubou.
Il en reste un. Un mortier. Ouais. Là, il y a du monde encore à l'intérieur là. Eh les gars. Bouffe le boubou. T'as tué mon boubou, tiens. Bon. Non. Je sais pas où est le mortier. Apparemment, il y a encore deux mecs. On a un là. Il y a encore lui. Ça devait être le mortier là. Et c'est le cas. On a fait ça propre. Enfin, propre au début, du moins. Allez, virez-moi toute cette merde. Mettez-moi le feu à ça. Les sols, je suis pas persuadé que ce soit une réelle bonne idée. Allez, viens mon boubou. Je te dis rien, j'ai rien à te dire. Fous-moi la paix, me parle pas. De toute façon, tu seras bientôt que le fantôme de toi-même. C'est une promesse. Je t'ai laissé des chances. T'as pas voulu les saisir. Il va falloir assumer. Oui, bah t'en as commis une grosse. Sache. L'adjoint du shérif, je connais la loi. Et t'as voulu me pisser dessus, Faith. Non, non, bah, comme tu l'as dit, t'as été naïve. Il y a 40 portes là-dedans, là. Bout de carte, je prends. V sur mes arrières, hein, boubou. Oui, c'est vrai, monsieur. Ok, y a pas de quête ici, là. Personne qui veut me filer une quête. Vous êtes fâchés tous ça, ou... On va voir sur le toit. Une centrale nucléaire du Tennessee a été fermée un peu plus tôt dans la semaine suite à un dysfonctionnement du matériel. Ok, bon bah apparemment il n'y a pas de quête. On va retourner voir vite fait à l'avant-poste d'avant. Putain d'avion de merde. Là, tu me fais chier. Attendre le retour. Essayer de se cacher là. Prends là. Non, tu prends pas. Ok. Compliqué avec le lance-roquette. Ou alors faudrait que je prenne l'autre. Il y en a un autre où il y a un espèce de verrouillage, il me semble. Ah bon, bah lui c'est terminé. Normalement. Ah non, il est remonté. Non, c'est pas lui, c'est Nick. Tu veux ? Bah écoutez. Hein. Écoutez. Donc oui, je vous disais. On va peut-être... allez, on va débloquer ce petit... ce petit lieu. Des petites serres. Et on ira voir à l'autre avant-poste. Voir si on n'a pas raté une quête. T'as un truc... Aïe ! T'as un truc à me dire ? Non, c'est parce que tu veux venir dans mon équipe. Il me reste une place, j'avoue, il me reste une place. Écoute, je t'embauche. Ils veulent pas s'arrêter eux ? Non. Rejoins-moi mon boubou. La radio, tu la fermes. Bonjour, bonjour. Au revoir, monsieur. On a entendu sa hanche brisée sur le capot, c'était dégueulasse. Arrivé de style comme d'habitude. Il y a du monde ici.
Allez, viens mon boubou. Pas l'air d'y avoir cool. Je pense qu'il y a au moins une personne vu qu'il y a... Ouais. Ah ! Il y a mis ce qui est mérité. On fera pas une femme, monsieur. Oh, t'inquiète, je suis là, madame. C'est plutôt sexy à voir lire. Oui, oui, tout à fait. Faites gaffe, madame. Ah, je crois qu'elle est morte. Hein. Ok, elle est morte. Désolé, madame. Bon, je croyais que... j'avais trouvé ma compagne, mais... notre histoire plus courte. Scandale, scandale. Nous n'aurions pas de... Nous avons connu... Passion du pain, vas-y, ferme-la, toi. Un point de compétence, ça c'est cool. Ce doit être tout. Viens de fouiller le lieu. C'est vraiment dommage hein, pour mon histoire naissante. Je suis déçu. Je suis énervé même. Ferme-la toi. Message du chimiste. Plus la fleur est puissante, plus la grâce est efficace. À la demande de Faye, j'ai propagé une nouvelle souche de fleurs qui accéléra considérablement le processus de génération d'anges. Protégez bien ces fleurs, loué soit Face, loué soit le père. Face, je le répète, est clairement bientôt mort. Mais ta gueule, toi. Sors d'où? Oh, cette allure qu'il a, lui. On dirait un peu Nélis. Lorenzo, mais qu'est-ce que tu fais là? Je regarde la vidéo. Allez, on va juste vérifier l'avant-poste qu'on a libéré auparavant. Et puis, on s'arrêtera là, les amis. Mais non. Mais non. J'ai fait... J'ai envoyé Boubou au bout du monde, je crois. Salut. Non, toi, t'es un pote. Oh merde, j'ai raté l'autre. Aïe. Erika, fuck yeah. Aïe. Qu'est-ce que tu veux, toi? Et t'excites pas, je suis là, mec. T'excites pas. Pas sûr que ce soit vraiment un mec, hein. Je te dois beaucoup. En effet. Faye, c'est devenu encore plus dangereuse. Alors fais attention. J'ai besoin de toi ici. Et la résistance aussi. Ne vous inquiétez pas pour Faye. Je m'en occupe. Ce cougar va nous sauter dessus. Quel cougar? Ah mon boubou. De chasse, ça fait longtemps. Compliqué de choper le deuxième une fois qu'il est parti à courir. Bonjour monsieur. Ah non, rebonjour monsieur. Lui, il va se faire buter comme un con, je le sens. Gars, arrêtez de vous faire buter si j'ai juste après que je me sois fait chier à vous libérer, quoi. Comme que j'ai vu du monde sur la route, là. Non. Bon, j'avoue, je vais un peu tirer dans le dos. Mais bon. Merci. C'est la guerre, il n'y a plus de loi. C'est comme ça. Je crois que nous sommes arrivés à notre destination. Il
Il semble pas y avoir de quête. Et ça sentit boubou. Il semble pas y avoir de quête. Après, par contre, on n'avait pas fouillé des masses, il me semble. Rentrer quelque part là ou... Heureusement qu'on a pas mal de sentinelles par ici. Oui, oui, tout à fait, monsieur. Plein de mun, comme d'habitude. C'est pas grand chose, mais c'est à nous maintenant. Oh, c'est pas grand chose, sacré bicoque quand même, hein. Les échantillons 7, 9 et 12 de cette semaine sont prêts pour analyse par le docteur Finet. Merci de tenir compte des dates des étiquettes afin de ne pas répéter ce qui s'est passé la semaine dernière. Le local devra être propre avant son arrivée. Son expertise est irremplaçable. Ses règles sont correctes. Alors nous devons les respecter. Bon, concernant le docteur Finet, j'ai une mauvaise nouvelle. Il viendra pas. C'est une certitude, et là je vais pas sortir un pourcentage à la con comme le veto, c'est du 100%, c'est sûr. Ces dernières fournées doivent être pures, les meilleures. C'est tout ce qu'on aura en attendant les fondements. Attendre que l'autre raconte sa vie. Bon, apparemment on a tout fouillé, non. Il y a longtemps qu'on n'a pas trouvé un coffre d'ailleurs. Mais apparemment, on a tout fouillé. Donc les amis, écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Au final, on n'a pas fait plus court que l'autre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien, bien sûr. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partager un maximum et mettre votre petit commentaire. Il est temps qu'on s'arrête. J'arrive plus à parler. C'est un scandale. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. En attendant, prenez soin de vous. Des bisous. Ciao, ciao. Of love.